vas-y, présente-toi, je t'en prie. Salut à toi, moi c'est Florian, et je suis propriétaire du Evisa 6L. Et je viens de la présenter, donc c'est une Evisa 1.9 TDI 130, okay. En modèle FR. Donc une petite voiture qui est assez sympa déjà. Ouais, elle a une bonne petite gueule. Origine, j'ai fait quelques motifs dessus, au niveau esthétique, au niveau moteur. Vas-y, esthétiquement, t'as fait quoi sur la voiture, dis-moi. Esthétiquement, j'ai changé les jantes. Donc les jantes. À la base, c'était des Lupus sur la FR d'origine. Donc des Lupus d'origine, et là c'est des quoi? Et là on est passé sur les jantes de la Cupra. D'accord. En 17 en noir. C'est vraiment pas mal. Celle-ci, c'est les Cupra à débord. Ok, t'es chaussé en quoi dessus? Je suis chaussé en 205 205 40 17, ouais, sur du Cumo. Ça marche. C'est pas mal. Ensuite, niveau esthétique, bah, j'ai refait toute la calandre en noir brillant, comme tu peux le voir. Ouais. J'ai tout repassé en noir brillant. Ça, d'origine, c'est un plastique qui n'est pas peint. C'est pas très très joli. Ouais, je vois, il y a les feux teintés. J'ai fait les feux teintés, anti-brouillard teinté. Vraiment, c'est pas du film, hein, c'est vernis. Ouais. Ah, c'est vachement plus propre. Ouais. C'est vernis. Bah, t'as fait les calandres aussi, non? Ouais. Calandre en noir brillant. T'es remis à neuf avant d'être vernis. Là. En noir. Il y a un gros échangeur, on peut le voir. Ouais, comme tu peux on va voir, en parler un petit peu après. On en parlera après, ouais. Ça marche. Ensuite, bah, pareil, comme deux rétro noires brillantes. Ouais. Ici, c'est quoi ça? C'est le sticker du préparateur. D'accord, donc Z-Motors. Z-Motors, ouais. Ok. Ensuite, t'as le sticker Stuga Auto, le vendeur de pièces. Ok, c'est là où tu t'es fourni? C'est là où je me suis fourni, c'est ça. Ok, super. Ensuite, pareil, niveau esthétique. Donc là, ça qui est fumé. Pétiteurs. Les coques de rétro. Voilà. Vite teinté ici. Teintée. L'intérieur, c'est d'origine? Intérieur complètement d'origine. Mis à part le mano qui est en bas au milieu, comme ouais. Tu peux le voir. Donc t'as les sièges FR. Sièges FR d'origine. Volant FR. Le levier FR, je sais pas si on va le voir. Voilà. Et le petit manneau de pression turbo qui est là. Oh, franchement, c'est propre hein, d'origine hein, quand même. Enfin, un petit voilà. Côté sport sur une Ibiza, c'est pas mal. C'est une petite finition qui est assez sympa. Ouais. Ah, donc, alors ici. Donc, après à l'arrière, pareil. Alors, feu teinté, mais teinté d'origine, c'est les ouais. Teintes. C'est pas Teintes. Les feux d'origine. Ok. Tout est pas en noir brillant derrière, hein, comme à l'avant. Ouais, donc, il y a ça qui est en noir brillant. Noir brillant. Ça aussi, ça a été passé en noir brillant, je crois, d'origine, ça ne l'est pas. Le diffuseur, pareil, en noir brillant. T'as la grosse sortie type Cupra aussi. Et le gros embout Cupra, ouais, de toute façon, c'est bon. Voilà. Après les petits stickers. Nos spoke, no fun. Voilà. Voilà. Là, ici, je crois que c'est le nom de ta team, ça. Sticker du nom de la team, c'est ça, ouais, on est une petite team, on est une quinzaine de voitures. Pareil, bon, encore le top. Sticker du fournisseur de pièces. Quelques stickers encore sur les côtés. Du mapper. Non, franchement, la voiture, elle a une petite dégaine hein, quand même. Hein. Du mapper. Elle voilà. Est pas mal. Il y a l'aileron aussi que t'as changé. Ouais, le VK Cupra. Et après, bah, la voiture, sinon, elle est rabaissée. Donc. Je suis sur combiné FK Performance à l'avant. Ok. À l'arrière, je suis sur ressort court. J'ai enlevé les bacs de réglage. Donc là, elle est posée au plus bas. Je veux pas descendre plus bas non plus. Ouais, est-ce que ça reste la voiture tous les jours si j'ai pas de conneries ? Ça reste la voiture tous les jours et puis ça frotte déjà dans les ailes. Donc ça reste assez, ça marche. Assez chiant. Donc d'origine, tu m'as dit c'est une 130 chevaux, c'est d'origine, ça ? D'origine, 1.9 130. Vas-y, montre-nous le moteur. Donc 1.9 130 et 320 Nm, si je me trompe okay. pas. Ok, 130 chevaux, 320 Nm. Hop, je crois que c'est là, ouais. Comme tu peux le voir, il n'y a rien de. Ouais, il n'y a rien qui choque, il n'y a rien de trop choquant. Mis à part la grosse admission dynamique. Ouais, l'admis qui est là. T'as la vanne EGR qui est supprimée, donc là t'as le suppresseur EGR. Ok. T'as la Sural qui n'est pas d'origine non plus. Ouais, la avec Sural le gros échangeur. Changeur devant. Je sais pas si on va le voir plus que ça, mais. Ouais, j'ai pris le gros échangeur là. Ouais, ça fait un peu très discret, ouais. Je suis resté sobre. Donc sur le moteur, en gros, là pour l'instant, il est en config stock le moteur. En lui-même, il est. Le bloc lui-même est stock. Le bloc est retouché. Ah, t'as retouché le bloc est retouché. D'accord, au niveau de la culasse, c'est ça? Culasse, la segmentation a été refaite en tout premier. Ouais. Et il y a eu piston biel de fait dessus. Ok, ça marche. Et donc t'as un gros turbo, si je dis pas de conneries. C'est ça. Un c'est quoi comme turbo? Hybride. Donc c'est un 1856. Ok. C'est le meilleur compromis pour ma part, je pense. Ouais. Là-dessus, si tu mets des trop gros turbos, la voiture charge trop tard, donc j'y vois pas d'avantage. Là, le 18, tu charges assez tôt et t'as l'allonge d'un gros turbo, ouais. Ok, nickel. Niveau injecteur, etc., pour l'instant, les stocks, arbre à cam aussi. Alors, ça arrive. Ça arrive, ça okay. arrive, c'est chez le préparateur, les pièces sont en posées. Il y a gros arbre à cam en 280 qui arrive. Ouais. Et il y a gros injecteurs, pareil, qui vont arriver aussi avec des gros. Ça marche. Bah, tu reviendras nous revoir et on verra ça. Il y a ça et pareil, quelque chose de plus tard, pas en noir brillant. Ok. Voilà, petit modèle esthétique, pareil, reniflard supprimé. Et à part ça, ouais, c'est tout. C'est tout. Ok, bah super. Bon, bah on va aller faire un petit tour avec la voiture. Tu nous la démarres là pour qu'on voit un petit peu le bruit que ça fait.
C'est ta ligne complète, hein, c'est ça, hein. On va bien s'en rendre compte, je pense, en roulant. On va voir après là, l'arrêt, je peux pas accélérer, il y a un booster dessus. Ouais. Et le mappeur m'a mis à la carto un lunge dessus. Donc le fait que là, à l'arrêt, je peux pas dépasser les 2500 tours. Ok. Ce qui fait que quand je la laisse stagner pour. C'est pas une voiture de départ arrêtée, mais je peux le faire. Je la laisse stagner à 2500 tours, le turbo charge. Ok, là, ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà. Bon bah nickel, on va faire un petit tour. C'est parti. Top. Alors du coup, tu me disais, ça consomme combien cette voiture-là? Environ, en roulant tranquillement, on est à 4 litres, 4 litres 2. Putain, ça consomme rien. Ça consomme rien, et quand je roule un petit peu, j'arrive à monter à 6 litres, 6 litres 5. Quoi. D'accord. Et on n'a pas parlé de la puissance tout à l'heure, mais à peu près combien de chevaux, là? Alors honnêtement, moi-même, je ne le sais pas encore. On est aux alentours des 300. Ok. Nous avons sorti des 300, la voiture n'est pas finie encore. Ouais, tu m'as dit, il y a les arbacams qui arrivent. Il me reste encore des pièces à mettre, la voiture, elle n'est pas gestionnée encore. Donc on est aux alentours des 300, ouais. Je pense. Parce qu'il y a une carto, mais c'est pas la carto finale, hein, qui est dessus. C'est ça, ouais. C'est pas la carto finale, il n'y a pas encore toutes les pièces dessus. On va viser entre 350 et 400 pour le final. D'accord. Ah ouais, ça va marcher ton truc. Ça va être pas mal, ouais. Surtout que c'est pas lourd, ça fait quoi, une tonne 2 ça? Ça fait une tonne 174, exactement. D'accord. Donc pour le poids, ça reste une petite bombe. Ok. Une petite bombe. Après... Bah comme je te disais, je suis sur combiné, c'est pas très très confort. Ouais. Là ça va, on est sur une route plate en droite, mais bon quand t'es en ville, c'est une horreur. C'est vraiment. Ouais, c'est un peu tape cul quoi. C'est pas une voiture de ville. Alors, ouais. Et d'autant plus qu'il y a l'embrayage renforcé aussi. Ouais, donc l'embrayage ouais. Il est un peu dur, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est un 5 patins. Ouais. Donc, quelle marque? Kiss mécanisme en satch renforcé. Ok. Et buté volant moteur Satch aussi. D'accord, ça marche. Voilà, c'est un embrayage complet Satch. Et ça, niveau tenue de route, ça va ou c'est quand même un peu chaud? On va dire que c'est pas une voiture pour faire des coups. C'est plus une voiture de ligne droite. Ouais. Ouais, vraiment, il n'y a pas le même châssis en équivalence à celle-là de cette année-là. C'était la Golf 5 ou l'Audi A3. Il n'y a pas du tout le même châssis ni la même tenue de route. Non, vraiment pas. D'accord. Vraiment pas, c'est une voiture qui va avoir tendance à s'ouvrir tout le temps. Ouais, et puis de toute façon avec la puissance ça doit pas aider. Hein. Ouais, aussi voilà, pareil, bah, dès que ça charge. Problème de motricité. Ouais, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Bon vas-y, montre-nous un peu ce qu'elle a dans le ventre la voiture. Ouais, c'est parti. Attendre de passer le virage. Ouais, c'est mieux. Ouais, putain, on sent le coup. Ça l'a agi un petit peu, ouais. Après, à ce niveau-là, ouais, c'est ça, c'est sûr. Je compte plus monter un autobloquant. Ouais, pour la motricité. C'est ça, ouais. Je compte plus monter un autobloquant. Parce que c'est vraiment. Même quand il pleut, hein, quand il pleut, c'est inroulable. Tu peux pas accélérer du tout. Ah, j'imagine. Il y a ça qui va arriver. Je compte changer d'admission aussi. Je vais passer en admission directe en inox, donc une grosse admission en 76, sans filtre, sans rien, une admission qui va revenir devant. Ouais. Je dois changer les jantes aussi. Pour des OZ, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour des OZ ultra leggera. Tu connais le poids de ces jantes-là ou pas du tout? Pas exactement, mais si je me trompe pas, la jante fait 11 kg. 11 kg? Ah ouais, c'est lourd quand même, hein, pour du 17 de cette largeur-là.
Ah, c'est pas léger. Parce que moi, je suis habitué aux jantes de BM en général, c'est dans les 10 kg, 10, 11 kg, mais on est sur des tailles vachement plus larges, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça reste une jante qui est assez lourde. Hein. Peut-être, je me trompe pas, je connais pas exactement le poids, mais je crois que c'est ça. Ouais, de toute façon, ça me choque pas le poids, c'est les poids à peu près des jantes alu d'origine. Hein. Moi, si tu regardes les jantes qui est sur la E36, ça fait 7,1 kg. C'est ça. Tu vois. Ouais, donc, ouais, tu vois, c'est ça, ça reste. Là, c'est bien, je vais repasser sur une gamme comme ça. Donc, je compte redescendre en taille aussi. Okay. Je compte passer sur de la OZ Ultra Légère, mais en 16. D'accord. Pareil, ouais, ouais, c'est vraiment le gain de poids total. Je compte vider l'arrière. Ouais. Donc tout ça sur un daily. Ouais. Et tu trouves ça normal? C'est un kiff. C'est un kiff. Ouais, c'est un kiff vraiment. À la base, je cherchais pas du tout une voiture comme ça. Ouais. Je cherchais une voiture qui était esthétiquement peu importe. Et je voulais juste que le moteur soit sain et de partir sur une base d'origine. Et je suis tombé sur celle-là, donc j'ai été la voir, j'ai craqué, j'ai pris celle-là. Donc c'est sûr, à la base, c'est pas ce que je voulais acheter une Seat Ibiza qui vale 2-3 000 euros. Au final, celle-là, je l'ai payée 6 500 euros, ça va faire un an que je l'ai. Ouais, là tu retombes sur nos pas. Ouais. Je l'ai achetée, elle avait 120 000 km, et tu vois, alors d'aujourd'hui, elle en a 149 000. Ouais, ah, donc, tu roules un peu quoi. Ouais. Et après, pour ce modèle-là, c'est pas énorme le kilométrage. Ouais, de toute façon, les TDI, on connaît, hein, c'est incroyable. Hein. Ah, il faut vraiment le chercher à route. Hein. Tu vois, après, t'as tout. Il y a du couple. Hein. Ouais, franchement, ouais, il y a tout qui. Ah non, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. En fait, c'est brutal l'accélération là-dessus. C'est ça, assez léger. Ah non, c'est. Bah, de toute façon, on connaît hein, les Ibiza, on sait que ça marche. Hein. Quand c'est bien touché. Le rapport poids-puissance est vraiment sympa. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Ça, tu vois, c'est le genre de voiture pour vexer des grosses bagnoles. Tu vois, t'as une caisse de 350 chevaux, tu te fais suivre par un Ibiza comme ça, t'as la haine. Ouais, c'est ça en fait. C'est joueur. Ça, quand la caisse elle arrive à cette puissance-là, tu peux te permettre d'aller jouer. Tu croises un RS3, ça fait pas peur. Ouais. Et justement, bah, les mecs s'arrêtent, posent des questions, mais il y a quoi dedans? Ouais, ce que tu m'avais dit dernièrement, c'était avant la dernière retouche carto. Ouais. Seat Leon, je crois, 310 chevaux. Seat Leon, 310 chevaux, ouais. Bah, la Cupra 5F. Ouais. Donc c'était 300, ouais, 300. En départ lancé à 80 en 3ème, je lui ai mis deux voitures. Ah putain. C'est malheureux quand même de te faire fumer avec la Cupra par une petite FR en Ibiza, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça reste pas mal. Ah franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Je m'attendais à ce qu'elle fasse vachement plus de bruit dedans, le fait qu'il y a la ligne, etc. Tu vois. Ça reste quand même assez bien dans son. Ouais, c'est entre guillemets de l'allemand quoi. Là, ouais, c'est ça, espagnol, c'est ça, allemand. Mais c'est vrai que pour une voiture cette taille là, tu t'attends à un truc vachement plus bruyant, d'entendre les sons extérieurs, etc. Vachement plus fort, et en fait, non, pas du tout. Après, ouais, voilà, bah là, comme on est là, on roule avec les fenêtres fermées. Hein. Tu ouvres à peine une fenêtre, t'accélères, t'entends le bruit. Ouais, il est vachement plus présent, les fenêtres ouvertes. Ouais. Et niveau fumée, j'ai pas fait gaffe, mais ça fume quand même pas mal. Tu peux regarder derrière si tu veux. Disons que la voiture qui est derrière toi. Ouais, disparaît dans le rétro quoi. Ouais, c'est ça. Dans les deux sens. Tu vois, je m'amuse pas à le faire, je regarde quand même, je le fais pas quand il y a des gens qui sont derrière moi, mais. Ouais, il y a un petit peu de brouillard. Ouais. Tu vois, après, vraiment, je suis pas un adepte de la voiture qui va fumer pour rien. Ouais. Elle est obligée de fumer, hein. il y a un gros turbo. Oui, de toute façon, les diesel, quand il y a une ligne complète, voilà, c'est ça. À un moment donné. Elle va fumer, mais vraiment ce qu'il faut. Ouais, pas dans l'excès. Ce qu'il faut à la config, je veux pas qu'elle fume pour rien. Je vois. Et du coup, en pression turbo, t'es à combien? 2 bar 3, c'est ça, tu m'avais Alors dit? Alors là, pour l'instant, je suis à 2 bar 4. 2 bar 4. Ouais, faut savoir que c'est une carto. La voiture, elle est remontée depuis maintenant un mois. Je sors de rodage gentiment. Ouais, pour l'instant, je suis à 2 bar 4 pour l'instant. Et d'ici là, une fois que les arbres à cam, les injecteurs seront posés, on va essayer de souffler à 3 bar 2 si on veut. Ouais, ça serait pas mal. Ah oui, ça va. Et pareil, de passer sur un multimap.
vu que c'est la voiture avec laquelle je roule tous les jours, de ouais, passer un truc sur une, tranquille et un truc un peu énervé pour sur une carto à l'ESP justement. Parce que tu fais un petit peu de course avec de temps en temps. Ouais, ça arrive. Pareil sur les rassos. L'occasion se présente, voilà, ouais, ou, faire un petit run ou en Allemagne ou à ça, ça voilà, exactement, mmh. Exactement. Moi, ouais, je vois très bien. Non, oui, du coup, ça va sortir 3 bars. Après, c'est comme je te disais, il va me falloir un multimap. Ouais. C'est la voiture tous les jours, donc on va partir sûrement. Je discute avec mon mapper, on va sûrement partir sur une carto pour rouler tous les jours avec 2 bars 5. Ouais. À peu près dans cette config là finalement. C'est ça, voilà, à peu près dans cette config là, donc 2 bar 5 avec plus ou moins 280 chevaux, entre 280 et 300. Et vraiment la grosse carto, quand je pars sur des runs, une journée à classe, des trucs comme ça, voilà. Ouais. Une carto qui est vraiment là pour aller chercher toute la puissance. Je vois. Bah, en tout cas, franchement, t'as un jouet sympathique. Hein. Ouais, voilà, après. C'est pas mal, hein. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Oui, c'est... bon, après, bon, il y a toujours ceux qui n'aiment pas les diesels. Hein. C'est ça, voilà, c'est une question voilà. De goût. Hein. Chacun a ses projets. Bah, moi, personnellement, je sais que je suis pas un grand fanatique des diesels, mais je respecte tous les projets. À partir du moment où il y a de la modification, il y a de la recherche et il y a du travail de qualité derrière, bah, pourquoi en fait on va dénigrer le travail, tu vois? C'est ça. Surtout que, honnêtement, les performances, elles sont au rendez-vous. C'est pas comme si t'avais mis un pot sur une SDI, ça fait un boucan et ça avance c'est pas. C'est ça, voilà, j'ai pas voilà. Mis juste une ligne et pour faire du bruit. Non, j'ai vraiment investi un peu d'argent dedans pour avoir faire un plaisir, bon rendu, ouais. Voilà, pour avoir un bon rendu. Donc, non, bah c'est cool. Bah, je te remercie en tout cas, Flo, de m'avoir planté ta caisse. C'est moi qui te remercie. Et puis, bah, de toute façon, je reviendrai te voir quand elle sera finie complètement. Pas de soucis, ça marche, on fait ça. Super cool. Salut à toi. Salut à vous. Et si vous avez aimé la vidéo, bah, likez-la, partagez-la et pensez à vous abonner. Salut les gars.